السلام عليكم أبنائي الأعزاء مرحبا بكم على قناة بسمة أمل كيف حالكم؟ بخير كي مع الاستعدادات إيوا الله يوفق اوليداتي الله يوفق ما يكون الخير إن شاء الله وما بقى قد ما فات صبر كونوا أبطال وشجعان إذا في إطار الدعم والتقوية اللي قررت نديرو معكم وليداتي خصوصا ابتداء مدام الامتحانات قربت قررت اليوم ندير معكم درس خاص بلوجيكتيف نوميرال كاردينال الخاص بمعاملة مع الارقام والاعداد لوجيكتيف نوميرال كاردينال بعد الاحيان كان واش نديرو اس ولا ما ولا لو نومبر ولا لو شيفر فكنبقاو محتارين اليوم انا اختاريت لكم هذا التمرين واضافه لبعض التوضيحات ما قبل ما نبداو التمرين عندنا واحد التذكير le nombre le nombre vingt et cent. Le nombre vingt et cent. Les deux les deux. S'ils sont suivis s'ils sont suivis d'un numéro d'un autre numéro, par exemple 24, 23, 22, s'ils sont suivis, je parle des deux, 20 et 100, s'ils sont suivis d'un autre, autre numéro, numéro, ou s'ils sont seuls. Donc, on a 20 et 100. Il est quand tu d'un autre numéro. Ou bien, s'ils sont seuls. Même tu bourrins, tu as Alors, s'ils sont suivis d'un autre numéro, ou bien s'ils sont seuls, alors là, ils ne changent pas. Les deux, ils ne change pas il ne change pas il reste ainsi 20 ktaqba haka 100 haka. par exemple on عطيو مثال par exemple si on prend l'exemple 80

دابا كان كناخد الكتاب باش كنستعملو باش نربحو الوقت وننجزو التمارين ها انا كنشرح لكم في الورقه فاسمحوا لي الا نسيت وما كنوضحها لكمش ما كنطلعش الورقه الو 92 regardez comment ça va 80 للقاعده اللي قلنا si 20 et 100 suivi d'un autre numéro alors قلنا il ne change pas haya 80 haya 20 20 اللي تكلمنا عليها هنا 20 مورها 12 12 تا هو كيتعتبر من الأرقام ومن الأعداد alors 20 هنا est-ce que ça va changer est-ce que 20 prend s ou non eh bien, mes enfants, non, pas de s, pas de s. Vingt reste comme ça. Et là, hit un nombre, un numéro. mora un nombre, alors vingt marikun mora wellu. Ça va, ça va pas changer à vingt. Ça y est. un autre exemple. On prend l'exemple avec cent cent. cent vingt. Euh, cent vingt-cinq. cent vingt-cinq. on écrit cent vingt-cinq. 125, la même chose. 100, suivi d'un nombre, d'un numéro. Ah, il y a 100, ma de du rouge, S, pas de S, ne change pas. Même chose pour 20. 20, ah, il y a suivi d'un nombre. 5, d'un numéro. 5, ah, il y a, même chose, ne change pas, on n'ajoute pas de S, pas de S. Ça y est? Deuxième cas. Je fais le premier cas, Ouais. Je fais le deuxième cas. Avec 20, et 100. Même chose. Avec 20 et 100. Et si non, on a, s'il est suivi d'un numéro, là, s'il si est suivi d'un... Euh, on parle toujours de 20.

il y a 20 ou 100 moraum un numéro d'après la dernière il y a 20 et 100 moraum un nom pluriel ou singulier alors là head 20 ou head 100 change quatre r ça change suivant suivant avec le nom si le nom est pluriel alors 20 il doit s ou 100 même chose, on met S à la fin. Si le nom est singulier, alors le mot 20 et le mot 100 ne prend pas S suivant le nom qui suit. À le nom, les radigies, on met 20 et 100. Nous exemple exemple 26 livres. Vingt-six livres. On écrit en lettres en bois, Vingt-six livres. Là, vingt est suivi d'un nombre. Donc, vingt ne prend pas de S. 6 livres, livres pluriels, puisque 6 c'est un nombre pluriel. On n'a pas parlé d'un seul livre ou les deux. Alors, maintenant, maintenant, je m'en Ça y est. Il a acheté 20 cahiers. Ahmed a acheté 20 cahiers. Alors, 20

20 Rabzef 20. vingt mais un nom pluriel. Mais si un nombre, un chiffre comme celui-là, comme celui-là, Alors, un nom pluriel, pluriel. Donc, vingt ne, au contraire, pardon. Donc, vingt prend « s ». 20 prend S parce qu'il est suivi d'un nom pluriel. S'il si est suivi d'un nombre, s'il si est suivi d'un chiffre, 20 ne change pas. je ne change pas. un nombre. Madame un nombre, un nombre. ce vingt ou Il est au mot, le nombre, il

الا كان هذاك لو نوم لو نوم راه ماشي بلوريال هذيك 20 ما غتكون يكونش فيها اس وما يمكنش باسكو 20 ديجا راه ان نومبر فيها عدد بلوريال الوغ لا صافي تفهمنا على هذه القضيه نعاود نغيكابيتولي معكم ها نعاود عاود الفوق ماشي مشكل واخا نكرو في في التكرير وفي التكرار بلوتو افاده عندنا 20 و 100 موراهم ان نوتخ نوميرو اولا جاو بوحدهم جينا وقلنا 20 بوحدها ما موراها والو جينا قلنا 100 ما موراها والو اولا موراها انيوميرو فهذيك الحاله 20 ها 20 ما كيتصي كوش فيها اس ما موراهاش اس نو برون با اس 100 لا ميم شوز تاعيا نو برون با اس با دو اس انا درت كرو هنا با Le S, il a qu'un mort 20 ou 100, un nombre. Il a un nombre différent. Après, a un nom, 20 ou 100, plus un nom pluriel ou singulier. cest dit que 20 ou 100 changent. Hein? L'exemple ici, 20 cahiers, 20 prend S. Pourquoi Parce que cahier est pluriel, il prend S. صحيح دابا ماشي ندوزو للتمرين متفقين متبعيني وافقوا معايا ما تنعسوش بلاتي <applause> 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 لا شي شويه مازال الحال تا تعشاو الو اون كومونس ليكزيرسيس ومع دايره على لاننا راه حنا كنخرجوا التمارين على داك الشيء وكنديروا داك الشيء على المباشر سي بوكو تلقى لوصه ضرب هنا ضرب هنا ماشي مشكل صحيح نمشيو ليكزيرسيس Voici l'exercice. J'écris en lettres les nombres en parenthèse. Dans notre classe, il y a 30 élèves. Alors, out 30, est-ce que tu as les nombres, les nombres cardinaux? Les nombres cardinaux. Donc, il y a 30. On écrit 30. Trente élèves. Le principe que nous allons parler de, c'est 20 et 100. Là-bas, quand nous allons voir les autres nombres, on va voir que 100 et 20 dans l'exercice. Dans notre classe, il y a 30 élèves. J'ai lu, je vous donne le nombre, j'ai lu 4 élèves, plutôt 4 romans. Quatre, c'est un nom qui ne change jamais. Il s'écrit toujours comme ça. J'ai lu quatre romans. Quatre ne change pas. Il est invariable. C'est un mot invariable. Il compte d'un mot. Il compte pluriel. Il compte singulier. J'ai lu quatre romans durant l'année scolaire. Troisième phrase. Elle prend trois repas. Trois, même chose. Trois, il porte S à la fin. Il est invariable aussi. Elle prend trois repas par jour. Ça y est, dans notre école, il y a 180 filles. Cent, quatre.

non pas du tout il ne prend pas s on continue il y a cent quatre filles 20 ici est suivi d'un nombre ou d'un nom pluriel 100 ne prend pas s parce qu'il est suivi d'un numéro d'un nombre qui mais 20 est suivi d'un nom Pluriel, fille, pluriel. Alors là, est-ce que je mets S ou non? Hum, réfléchissez. Eh bien, je mets S. Ça y est, vous avez compris? On passe à la dernière phrase. La distance entre Casablanca et Marrakech est de 240 kilomètres. Je vais l'écrire en lettres. Deux cent deux cent quarante. Alors, la distance entre Casablanca et Marrakech est de 240. cent quarante deux cent quarante kilomètres alors cent est-ce qu'il prend s ou non et pourquoi je demande pourquoi allez allez vite 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 donc regardez-moi cent il est suivi de quoi quarante quarante est-ce que c'est un nom commun ou bien un nombre un numéro Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure dans la règle. Quand 100 est suivi d'un nombre, alors 100 ne change pas. Il reste ainsi. Il ne prend pas de S. La distance entre Casablanca et Marrakech est de 240 240 km. Voilà.